Bon matin! Nous sommes le 11 janvier 2019 et nous sommes... Il est 7h08. Aujourd'hui, j'ai décidé de vlogger puis vous apporter avec moi. J'ai attendu qu'il fasse un peu plus clair pour vous parler, mais il fait pas même bien clair à 7h08 en hiver. Donc, ce matin, je suis allée porter les filles à la garderie parce que j'avais mon test de diabète. Le petit jus, là... D'ailleurs, je vous ai fait un questionnaire sur Instagram cette semaine pour savoir qu'est-ce que vous trouvez qui goûte le plus, qui se ressemble le plus au test de diabète, le petit liquide. Là. Et aujourd'hui, je teste avec une amie enceinte aussi ce qui goûte le plus au test de diabète selon vos choix qui ont sorti. Donc, je vous dévoile tout ça tantôt. Je m'en vais faire mon test de diabète. Pour vrai, moi, c'est vraiment pas quelque chose qui m'écœure. Je veux dire, j'ai tellement la dent sucrée que le petit jus, là, c'est... Ça ne me fait pas grand-chose. Ensuite, je vais chercher Eléa à la garderie. Je l'amène déjeuner au restaurant. On a un rendez-vous à la clinique Mon Monde à moi, qui est une clinique pour toutes les TDAH et tout. Je dis pas qu'Eléa est TDAH, elle a 3 ans. Mais c'est la clinique à mon amie Lydiane, puis on la rencontre pour qu'elle nous donne... Ah, ça, c'est drôle, les gens dans le parking qui passent à côté quand je filme. Donc, c'est ça, elle nous donne des trucs, puis je filmerai pas là-bas parce que on va en parler dans Marabout, puis j'essaie de pas aborder des sujets avec vous qu'on va montrer à la télé dans Marabout, donc c'est ça. Là, puis ensuite, on s'en va... Moi, je vais en fait arranger mes cheveux parce que j'ai encore des couettes jaunes qui me gossent. Puis aussi, on va faire la première coupe à Eléa, pardon. Et je choke depuis comme 3 ans parce que, vous me direz en dessous si vous pensez que c'est vrai, j'ai entendu un mythe que si on coupait des cheveux bouclés, parce qu'Eléa, c'est vraiment boucle d'or. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous irez voir mes photos. Tantôt, vous allez l'avoir, dans le fond. Si vous coupez les cheveux des boucles, ils ne bouclent plus. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment peur depuis 3 ans, justement, parce que j'ai peur que ses cheveux ne frisent pas, puis j'aime tellement ses cheveux. Bref, donc ça. Et ensuite, après ça, on a un souper chez des amis, donc les gars vont nous faire un souper. Et c'est là que je vais tester avec vous les jus qui goûtent le jus de diabète. On va avoir bien du plaisir. Alors, sur ça, on se rejase tantôt! Rebon matin! Je viens de sortir mon test de diabète. Pour vrai, c'est encore moins sucré que dans mes pensées. Donc, je ne sais pas si c'est parce que je mange plus de sucre qu'à mes autres grossesses. Mais bon. Donc là, direction déjeuner. Je vais aller chercher ma plus vieille. Ma maman aussi, elle voulait venir avec nous. Puis on va aller manger un bon snack. Ah! Oh, il fait vraiment froid! Avec qui on est? Coucou! Allô! On s'en va où? Où on s'en va? Hey, t'es pas... Avec qui? Mamie. Mamie, est-ce que t'as eu un beau matin à la garderie? T'as-tu été gentille? Oui! Oui! On a fait ça comme des petites souris pour pas qu'ils nous voient? Non, fallait qui nous voit pas? Fallait pas que Zuzu nous voit, sinon ça aurait été la crise! Les crayons! C'est pratique! Est-ce que tu manges ton assiette? On vient de finir le resto, c'était bon. Est-ce que c'était bon, Eléa? Là, je t'en pousse. Est-ce que c'était bon? Ta crêpe était pas bonne? C'était très, très bon. Oui. J'ai mangé... Très, très bon. Pioche pas. Un omelette de 3 fromages avec... Je fais toujours gratiner les petites patates. Parce que depuis samedi passé, je me suis rendu compte après 4 jours que je mangeais végé sans m'en rendre compte. Donc, presque vegan, en fait. Mais non, en fait, c'était pas voulu. Donc, j'ai pas fait attention de pas manger vegan. Mais là... C'était pas vegan, à cause ça avait du fromage et des œufs. Et Léa, arrête de bûcher dans mon bain. Bref, donc là, on s'en va. Prochaine. Et Léa, arrête, s'il te plaît. Merci. Alors là, je suis à côté du McDo et je vais aller acheter un orangeade et un jus d'orange parce que
C'est la réponse qui est revenue le plus souvent, qui ressemblait au jus du test de diabète. Pourquoi je l'achète tout de suite? Prochaine étape, je vais le dire après la prochaine étape. Donc, je vais acheter un orangeade tout de suite parce que vous m'avez répondu orangeade flat. Donc, le temps de... Il est 10h30, le temps qui devienne flat ce soir. Là, après, on s'en va voir Lydiane à sa clinique. Oui, ouais! Non, ça va être un orangeade. Pas de glace. Pas de glace. Oui, puis avec un petit jus d'orange, s'il vous plaît. Merci. 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 Présentement 1h05, nous revenons de la clinique Mon Monde à moi. Ce matin, j'étais un peu fatiguée, je pense. J'ai dit que c'est une clinique pour les TDAH, mais en fait, c'est vraiment... Il y a des psycho-éducatrices, orthophonistes, et j'en passe. Je vais vous laisser le lien en bas pour aller voir. Et Eléa, elle avait un petit atelier ce matin, puisqu'on fait un tournage avec Marabout bientôt, donc on voulait voir un petit peu l'environnement avant le tournage. Ça a super bien été, et comme je disais, je ne veux pas trop en parler parce que justement, ça va être sur les ondes de Canal Vie en septembre, puis il va vraiment avoir un topo qu'on appelle, là, une émission sur le TDAH ou sur les enfants de, tu sais, Terrible 2, Teenage 3, fucking 4, en tout cas. Si vos enfants sont dans cette passe-là, vous allez adorer l'émission, comment que... Je me fais donner vraiment beaucoup de trucs. Alors là, c'est le temps d'aller faire couper. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui! On est arrivé? Oui. Ouais! À tantôt! Disparaître ça, ce petit jaune-là. Qu'est-ce que tu mets, Steph? Ben là, pour l'instant, du bleach. Est-ce que mes cheveux vont tomber? Non, ils vont être en parfaite santé. Là, tu as mis du bleach sur le jaune. Ouais. Ensuite de ça, on va mettre un bon petit toner, un bon petit traitement. Mais maintenant, je vais voir. Tadam! Montre comment c'est. Hein? Pigeon. On a travaillé fort. Eh oui, j'ai travaillé fort. Ouais, puis Val aussi, hein? Val? Ouais, Val aussi, elle travaille fort. Parce que je veux pas filmer ta cliente, mais... C'est ça. Voilà. Elle aussi, elle a travaillé fort. Pour mes cheveux. Un beau duo. Ouais. Je te Elle s'est rendue perfect. Sois patiente si tu veux être blonde. Oh oui. Ah, rebonjour! Il est 4h15 et oui, ça prend pas une heure à faire des cheveux blonds. Et comme c'est vraiment la question que je me fais toujours demander sur mon Instagram depuis que je suis blonde, c'est qui ma coiffeuse? Moi, comme j'ai dit tantôt, j'en ai deux. Parce que tout simplement pour la raison que elle que j'ai depuis des années, nos horaires fit moins. Donc je me promène un peu, les deux sont aussi bonnes. Donc je vous laisse leur lien, évidemment, en bas de ce vlog. Et ça l'a vraiment bien été avec Eléa. Pour vrai, je capote. Ça a été un amour. Faites ça pour vrai. Prenez un si vous avez plus qu'un enfant. Prenez un enfant de temps en temps, toute seule. Si vous avez la chance, évidemment, c'est pas tout le monde qui a la chance. Sérieux, ça a vraiment été une très belle journée. Vraiment, vraiment. Puis elle a tellement été fine. Elle a joué à des petits jouets
au salon et tout. En tout cas, je vous ai mis des petits bouts juste avant. Et à la fin, je lui ai laissé mon iPad comme privilège. Elle l'a jamais. Donc, quand elle l'a en sortie comme ça, justement, elle est tellement contente. Elle n'a pas dit un autre mot. J'avais presque oublié que j'avais amené ma fille, tu sais. Alors là, on s'en va où? Logan! On s'en va... Oh! Elle a eu un bonbon parce qu'elle était gentille. Et on s'en va chez Logan pour le souper. À plus tard! Hello! Donc, on va tester pour... Ah, ben oui, attends, il faut que je la présente. Vanessa, ta belle bedaine. Oh. C'est troisième grossesse en même temps. C'est trop le fun. Donc, on va tester pour vous le fameux jeu de... le jus de diabète. Sur dans mes sondages. Allô, Maxime! Veux-tu le tester avec nous? Comment aussi, je te laisse regarder. Le Mr. Freeze orange fondu avait sorti. Je sais pas qui mange ça fondu, mais bon. L'orangeade flat, mais là, il était... C'est plus de l'orangeade, c'est du... Comment t'appelles ça, de l'affaire? Fruit. Ouais, c'est ça. Fruit... Fruitopia. Fruitopia à l'orange flat. Je l'ai acheté un matin, comme je vous avais montré tantôt. Puis là, on m'a dit le jus d'orange McDo, mais lui qu'on avait quand on était petit, tu sais, avec... La capsule. Pas la capsule, mais tu sais, là, faut aller t'enlève un comme jus de pomme, là. Fait que je sais pas si ça va goûter pareil, mais on va quand même tester. Moi, je l'ai fait ce matin, sincèrement. Ils sont cons. Les gars sont là. Les gars sont là. Puis ils sont pas game de venir faire avec nous. En tout cas. Puis Van a dit qu'elle s'en souvient encore. Fait que. J'ai oublié ce goût. Moi, j'ai vraiment aimé ça ce matin, je vous l'ai dit. Mais bon. On commence par le Mr. Freeze parce que si on fait un dégât, ben, hein, on va starter avec ça. Oh boy. On veut être festif, fait qu'on va. Nos flûtes. Les flûtes. Ouais. Pas trop. Eh bien, ça a l'air. Moi, je pense que ça va être ça qui va ressembler le plus parce que ça a l'air épais. Ça sent la même merde. Ok, j'essaie de pas faire de dégâts sur ton plancher. Ok, puis là, tu veux que je mette ça comment? On va être même, quoi? Mais non. Attends. Ok, on essaie de pas faire de dégâts, chin. Ok. Shooter! Ah, ça sent quand même. C'est tellement ça. C'est tellement bon. Non, c'est pas bon. Ouais, pour vrai, je pense qu'on a commencé. Que c'est surtout la texture qui ressemble. Ouais, c'est parce que c'est comme. Fait. Ouais, vous essayerez ça. Pour vrai, je d'orange, je suis pas sûre, moi, que ça va. Moi, je suis sûre que c'est pas ça. Eh boy. Ben, il va y avoir des gosses, pas grave. On va ramasser. Je sais pas qu'est-ce qui était plus chimique de lui avec la pellicule, comme vous m'avez dit, mais... Chien! Chien, ça c'est... Ça sent jus d'orange normal. Non, trop pas. Ceux qui... Ben, c'est bon. Ouais, c'est ça, ça goûte le jus d'orange. Là, hey, est-ce que ça aide pour le bébé? Oui. Oh, la bouche! Ben ça, on va goûter ça. Ah, bonne idée. Ouais, ça, à la limite, ça ressemble, mais pas avec la texture. À vous. Ouais, le donc, l'orangeade Fruitopia au McDo ressemble vraiment à du jus de Mr. Freeze orange fondu. Mais donc, c'est le Mr. Freeze. Le verdict, pour vrai, c'est le Mr. Freeze, puis c'est celui-là qui a ressorti le moins souvent. Tout le monde me disait que c'était de l'orangeade flat du McDo. Donc, je sais pas pourquoi du McDo, là. Peut-être qu'elle est plus flat qu'ailleurs, je sais pas. Parce que tout le monde pour McDo. C'est ça. Donc, on a résolu le problème. En espérant qu'on n'ait pas de diabète, puis qu'on soit pas obligé de se piquer. Plein d'amour à ceux qui le font. Alors là, nous, ça va manger une fondue. Puis on se rejasse tantôt. Bye. Rebonsoir. Il est presque minuit. On vient d'arriver de chez nos amis. C'était vraiment le fun. Comme vous avez vu, désolée, j'ai filmé un peu à la verticale, un petit moment. Mais on a fait une fondue chinoise, on a joué à Joker Rummy, mangé du bon gâteau fromage. Alors, je suis une femme comblée. Et on a aussi découvert le mousseux Saint-Régis. Moi, je connais déjà la marque Saint-Régis pour les vins. Oh, mon Dieu, je suis mal au bois.
pour les vins sans alcool, mais le mousseux sans alcool est vraiment bon. Pour vrai, c'est rare que je passe à travers une bouteille sans alcool, puis celui-là, je l'ai dévoré. Il est vraiment bon, il est pas trop sucré. Je me suis coulé un petit bain. Évidemment, même s'il est presque minuit, pour vrai, on dirait que je suis plus capable de finir mes journées sans bain. Et je regardais aussi, j'ai reçu ma commande lait de poule. Voyons, je trouve, je cherche le truc. Comme ça. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est une de mes compagnies préférées de linge de maternité et d'allaitement. Je veux pas vous en parler trop parce que je vais vous en reparler dans un autre vlog sur mes coups de cœur de vêtements de grossesse et d'allaitement. Mais j'ai reçu une grosse commande pour les premiers tournages de Marabout qui recommence lundi en fait. Alors là, je sais pas que je vous aime pas, mais puis mon vlog doit être assez long. Hein. J'avais dit que je voulais pas faire des vlogs de plus que 20 minutes. Justement, je vais aller en écouter, pas les miens, là, d'autres, dans le bain moussant. Alors, c'est ce qui conclut mon vlog. À la prochaine! Merci de m'avoir écouté.